Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui j'ai fait une nouvelle vidéo sur YouTube. J'essaie de faire des vidéos plus souvent maintenant. Donc voilà, je vais en faire plus qu'une fois par mois je pense. En tout cas, bref, sachez qu'il y aura des vidéos back to school qui commencera en août. Parce que ça, donc moi je fais pas les fournitures et tout ça en juillet, je les fais en août. Donc soyez là en août, je vais faire tous les trucs. Donc il va avoir excusez-moi, il y a des trucs. Ok, c'est bon. Donc il va avoir le tri de mon bureau, le tri des fournitures scolaires. J'aurai pas de chasse aux fournitures scolaires parce que je suis très longue à me décider, donc ça prendrait tout le temps. Donc il va avoir la présentation de mes fournitures que j'ai achetées à la place de la chasse parce que voilà. Donc on va tout de suite commencer la vidéo qui est une vidéo haul. Donc en fait j'ai acheté des trucs au magasin aujourd'hui. J'ai mis un coussin en dessous de mes genoux, j'avais mal aux genoux, donc voilà. Bref, donc j'ai acheté des choses à plusieurs magasins. Donc, je vais vous dire d'où ça vient. J'ai acheté des trucs à un magasin de vêtements, mais j'ai pas envie de vous montrer quels vêtements j'ai acheté parce que voilà. C'est ça, ça me tente pas. Bref, donc on va tout de suite commencer. Donc là, je vais essayer de vous montrer. Je vais mettre le téléphone de ma mère. Donc j'ai tout ça. En gros, voilà. Ok, vous voyez un petit peu mal. Bref, on s'en fout, je vais commencer. Donc on va tout de suite commencer. J'ai acheté à Archambault. C'est un journal intime de la collection Nebula Stars. Puis bah voilà, donc c'est un journal intime, donc c'est le journal intime de Isadora avec plusieurs activités et accessoires. Donc achetez au Archambault si vous voulez aussi ça. Excusez-moi. Voilà, donc c'est tout pour le Archambault, on va passer au Walmart. En fait, sachez qu'il y a des choses que j'ai payées, mais j'ai pas payé toutes. Comme le journal, c'est moi qui ai payé. Mais bref, donc sachez que c'est pas tous mes parents qui ont acheté. J'ai aussi payé plein de choses. Donc voilà. Donc un lot de 105 cordes, des fils pour faire des bracelets. Si vous habitez également proche de chez moi, ce qui se peut. Si vous allez au camping Lac Blanc, ben moi je vends des bracelets là-bas. Donc c'est pour ça que ma mère. En fait, on a payé moitié-moitié. Mais à mal de faire des bracelets aussi. Puis après, je les vends. Oh, camping Lac Blanc, donc voilà, c'est petite pub. On m'a acheté, ben j'ai, en tout cas, dans le hall, il y a, en fait, j'ai acheté, mais j'ai acheté, ben c'est un cahier de vacances, un cahier d'exercice pour réviser la quatrième année. Parce que là, je vais m'en aller en cinquième année, primaire, bien sûr. Qu'est-ce qu'on m'a acheté d'autre? Qu'on a acheté. Ah oui. On a acheté également des petites billes comme ça à faire fondre parce que je fais des porte-clés en billes comme ça. Donc je fais, mettons, des petits cœurs comme ça qui après seraient des porte-clés et que je vends également au camping. Je vais tout trouver, d'accord. Également. J'ai acheté ça. C'est des genres de gouttes pour les yeux ou en affaire pour les yeux. Et en fait, je cherchais d'acryosérum sur Internet, mais ça se vend seulement en France. Donc là, on a acheté un affaire comme ça qui avait ressorti aussi. Donc j'espère que ça va marcher pour faire des slimes. Voilà. On a acheté aussi un gros paquet de colle parce que j'en avais plus. Là, c'était un mini fond, là. Excuse-moi. Là, c'est tout pour le Walmart. Je crois que c'est tout pour le Walmart. Si j'ai oublié, je vous remontre. Maintenant, Dollarama. 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 Bon, mais je dis tout le temps le Dolo. Voilà. Un pad. Voilà le. C'est acheté au Dolo. Hein. Donc, un petit pad comme ça avec une clip. Il n'y avait pas de couleur, ça que c'est normal. Plein de feutrine parce que j'en avais pris. C'est pas ce paquet-là que je prends d'habitude, mais voilà. J'ai acheté également un lot. De trois petits carnets, voilà, comme ça. Puis c'était vraiment pas cher. Ils sont pas full beaux, mais je vais les customiser. Ça se peut que je fasse une vidéo avec ça, pourquoi pas. Une vidéo où je custom des tout petits cahiers. Ça pourrait être une vidéo pour la rentrée.
Nouvelle idée. Ça veut pas dire, mais c'est possible. Des pinceaux à cause que les miens, admettons, je prends de la colle, je la mets sur ma feuille, puis je veux étendre. Après ça, ben, j'étends avec un pinceau. Sauf que là, j'oublie et j'ai fait ça avec du Mod Podge. Ça l'a figé. J'étais incapable d'ôter. Il y en a, ça a déjà arrivé que j'étais capable avec la colle blanche, mais là, Mod Podge, impossible d'ôter. Également, au Dollarama, on a acheté de la mousse à raser qui est pour faire slime, du fluffy slime. J'ai acheté aussi des petits boutons roses et noirs. Donc, c'est pour également faire des porte-clés pour vendre. Dollarama, on a également acheté le fond. En tout cas, c'est un grand, 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 grand pot. Je suis vraiment noyée. C'est un grand pot, en fait, pour ma plante araignée qui a grandi et qu'il faut un nouveau pot. Je crois que c'est tout. Oh oui, j'ai fini pour le Dollarama, mais pour le Walmart, on m'a acheté un petit shampoing. Parce que le mien est presque fini. Ensuite, à un magasin de coiffure, que je ne me rappelle plus le nom, un masque pour le visage hydratant. Une petite brosse à cheveux en forme de plante, qui est quand même vraiment petite. C'est laid, mon toupette. Donc voilà, puis c'est pour, admettons, quand je vais au camping, mettre dans ma petite trousse. Et un lot de plusieurs élastiques à cheveux. Donc on a... Il y a ma tablette qui flash parce que j'essaie de faire avec, puis elle avait plus de batterie, voilà. Des petits élastiques pastels. Et on en a également deux comme ça. Et deux comme ça. Voilà. Petits élastiques à cheveux. C'est tout pour le magasin de coiffure. Maintenant, je crois que c'est chez Ardennes. Des petites barrettes comme ça. Avec des marguerites. Voilà. Ensuite, une passe qui fit avec ça, en fait. C'est pour ça que je l'ai pris. Acheter ça aussi au Arden. Parce que je l'ai mis dans mes cheveux là. Ok, c'est fini pour le Arden. J'ai oublié du truc pour le Dollarama. Donc au Dollarama, à vendre, il y a également des petits bacs comme ça pour que je range en fait tous les stylos, les crayons plomb qui sont dans la réserve de fourniture scolaire. Mais voilà, je vais mettre là-dedans. Et aussi une petite crème à main Aveeno. Parce que la mienne, elle est presque finie. Tout simplement. C'est fini. Non, c'est pas fini. En fait, après ça, on est allé au bureau en gros pour acheter une petite colle. Pride ou Prit, je sais pas trop. Comme ça, cette marque-là, c'est vraiment la meilleure. Mais aussi en France, leur meilleure, c'est Uhu. Je sais que maintenant, j'en ai vu au bureau en gros des Uhu. En tout cas, bref. Uhu. Voilà. C'est tout. À la librairie Poirier, on a acheté deux livres, les DIY de Miley, que vous avez vu dans deux de mes vidéos. Donc, celle qui est des choses à faire quand on s'ennuie. Puis aussi celui sur ma bibliothèque, etc. Donc, sachez que le linge que j'ai acheté, c'est à souris mini. Donc, voilà, il y a vraiment du linge dedans. Souris mini. Sûrement que mon amie va regarder. Je sais qu'elle aussi, elle a acheté des maillots de bain. Puis autre chose à souris mini, je crois. Bah voilà, c'est juste pour savoir, chère amie. Voilà, ben moi aussi, on m'a acheté des linges là-bas. Voilà. Petite parenthèse. C'est tout. Donc, c'est tout ce que j'ai que ma mère ou que moi, elle m'a acheté. Aujourd'hui, on a acheté plein d'autres choses, mais ça me concerne pas. Ben, c'est comme la nourriture, puis plein d'autres choses. Donc, c'était le petit haul du jour. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager à des gens qui peuvent aimer cette vidéo. Voilà. n'oubliez pas quand même les vidéos Back to School. Donc, soyez sur ma chaîne. Et voilà. Donc, je sais plus quoi dire. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir!